Bonsoir, vous êtes bien sur le webinaire pour la rétroaction du parc Saint-Simon-Apôtre. Le webinaire commencera à 18h35 dans une minute et le déroulement vous sera alors expliqué. Alors, bonsoir, nous allons maintenant commencer le webinaire sur le réaménagement du parc Saint-Simon-Apôtre pour lequel nous verrons une rétroaction. Mais avant, voici le déroulement de la soirée. En premier lieu, nous accueillons Mme Émilie Thuillier. Ensuite, je reprendrai le micro pour vous présenter les objectifs de la rencontre de ce soir et vous expliquer le fonctionnement du webinaire. Puis, je résumerai le processus consultatif effectué au cours de 2018 et 2019. Après, M. Michel Bordelot, chef de division des études techniques, présentera les orientations et les aménagements issus de ces consultations. Puis enfin, nous aurons une période de commentaires et de questions suivie de réponses et de précisions. Finalement, la rencontre sera clôturée par un mot de M. Adrien Parizeau et elle se terminera vers 20 heures. Maintenant, j'invite les intervenants et intervenantes de ce soir à se présenter à la caméra. Bien sûr, à l'ouvrir ainsi que leur micro, en commençant par Madame Thuillier pour se présenter brièvement. Bonjour tout le monde, Émilie Thuillier, mairesse d'Antique Quartier-Ville. J'inviterai Monsieur Parizeau maintenant, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde, Adrien Parizeau, le conseiller de ville de votre district Saint-Sulpice. Je vais inviter M. Bordelot, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde, Michel Bordelot, chef de division aux études techniques à l'arrondissement de Quartier-Ville. Et je vais inviter M. Janel. Bonjour, je suis Jérôme Janel, architecte paysagiste à l'arrondissement de Quartier-Ville. Et pour terminer, France Harvey, conseillère en planification aux consultations citoyennes intégrées à l'arrondissement à Hunsic-Cartierville. Pour le mot bienvenue, je laisse maintenant la parole à Madame Émilie Thuillier. Alors, bonjour tout le monde. Ça fait un peu bizarre de prendre la parole sans vous voir, mais vous savez qu'on fait tout en ce moment pour rendre les services municipaux. Les employés de l'arrondissement travaillent très fort dans tous les domaines. Donc, évidemment, la crise actuelle nous demande de travailler plus fort dans certains domaines, mais ce n'est pas pour autant que nous arrêtons de travailler sur les sujets normaux. Et c'était très important pour nous de vous tenir au courant de ce qu'on fait pour rénover le parc Saint-Simon. Il y a déjà eu des consultations publiques. Là, on est en phase de rétroaction. On voulait vous en faire part. Alors, on a trouvé une façon. Vous nous direz à la fin comment vous avez trouvé ça. Vous pourrez nous envoyer des courriels sur votre appréciation. Alors, c'est une soirée virtuelle aujourd'hui à laquelle vous êtes conviés. Nous espérons que vous allez plutôt apprécier. Et voilà, donc nous sommes plusieurs chez nous ou à l'arrondissement avec le respect des mesures sanitaires. Vous êtes chez vous et merci d'être en ligne avec nous. Bonne soirée.
Alors, nous avons pour objectif ce soir de vous présenter les nouveaux aménagements issus des consultations publiques, de recueillir les commentaires des résidents et de présenter les grandes étapes réalisées en cours et à venir. Alors d'abord, comme vous avez pu le constater, nous effectuons la rétroaction à l'aide de l'application Zoom. Comme outil pour le webinaire ce soir, vous avez un espace central qui servira d'écran à la présentation de la rétroaction. Vous aurez peut-être remarqué qu'il y a des outils clavardage. En fait, le premier est plus traditionnel et sera utilisé par les intervenants et intervenantes de ce soir pour communiquer entre eux. Mais le deuxième outil de clavardage est une boîte au bas de l'écran pour lequel, en fait, c'est une boîte au bas de l'écran qui se nomme Q&R pour questions et réponses. Et vous avez Q&A pour ceux et celles qui ont une version en anglais et qui représente Question and Answer. Sachez que les micros et les caméras seront fermés pour la présentation. Ensuite, pendant la période de questions et commentaires, je lirai quelques commentaires que j'ai reçus précédemment, là, d'autres que ce soir. Puis ensuite, on lira ceux que vous voudriez bien nous envoyer dans la boîte. Les professionnels d'arrondissement répondront à ces commentaires-là. Sachez aussi que tout ce que vous nous partagerez sera pris en compte dans un rapport qui servira pour réaliser les plans finaux. Ainsi que tous les commentaires reçus depuis le 12 mai et ceux que vous émettrez jusqu'au 11 juin. En fait, depuis cette date, les résidents sont invités à commenter et à participer à ce webinaire via deux panneaux qui sont installés dans le parc, via le site Internet de l'arrondissement ainsi que ses pages Facebook et Twitter et par la distribution d'un dépliant en porte-à-porte. Pour toute consultation publique, en fait, le respect dans les échanges est mis de l'avant et privilégié. Alors, dans le but de compléter cette présentation dans le délai imparti de 1h30, nous favoriserons la brièveté des échanges. La démarche de ce soir est innovante et, comme toute démarche consultative, le succès passe par le respect des directives. Alors, le processus consultatif pour le parc Saint-Simon-Apôtre a d'abord commencé par un questionnaire en ligne et en personne dans le parc afin de connaître les expériences que les citoyens y avaient vécu ou ce que vous souhaiteriez pour ce parc. En juillet 2019, il y a eu une marche exploratoire et participative avec des jeunes dans le parc. Et finalement, en octobre 2019, bien, il y a eu une grande soirée de consultation publique. À partir de ces consultations, il y a eu des plans qui ont été élaborés et ils vous sont maintenant présentés en rétroaction par Michel Bordelot du service des études techniques. Merci, France. Alors, bonsoir tout le monde. Ça me fait avec grand plaisir que je lui dis on se revoit ce soir, là, mais je comprends que les gens qui se sont joints au webinaire, je vais faire exactement comme on s'était fait lors de la dernière rencontre. Je vais prendre le temps d'expliquer les étapes passées, le processus qu'on fait, mais surtout vous présenter, puis on est très heureux de voir que vous avez formulé beaucoup de commentaires suite à notre dernière étape d'octobre dernier. Et je vais vous résumer un petit peu là, ce qu'on a pris en considération. Mais avant, il serait important pour moi que je revienne sur l'étape d'octobre dernier. Si vous vous rappelez, on vous avait convié à une soirée de consultation et pour mettre la table, on avait illustré le parc et on l'avait un peu décortiqué en différents secteurs. Donc, vous avez présentement à l'écran les différents secteurs, puis je vous rappelle la démarche qu'on avait faite. Ils sont numérotés de 1, 2, 3 jusqu'à 11 et ces différents secteurs-là, on les a très bien délimités dans l'ensemble de la carte que je vous pointe présentement. Puis vous allez voir tantôt, on prend en considération vos commentaires que vous avez mis pour on a trouvé des solutions à ça. J'aimerais revenir sur le fait que vous avez été très nombreux à nous formuler des commentaires puis vous nous avez causé tout un défi parce que justement, vous aviez beaucoup de commentaires. Donc, essentiellement, faut se rappeler que le parc Saint-Simon, ça demeure un parc de quartier. Donc, c'est un parc qui dessert une population beaucoup plus local que d'arrondissement ou inter-arrondissement. Donc, ça nous a facilité un petit peu l'orientation parce que l'ensemble des commentaires qui avaient été formulés par vous faisaient en sorte qu'on avait de la difficulté à les retenir et les entrer toutes dans les dimensions du parc. Donc, ce qui est le plus important pour nous, c'est de vous rappeler ce soir que ce n'est pas parce que votre commentaire que vous avez émis n'a pas été retenu qu'on ne va pas l'adresser d'une autre façon. Je vais donner certains exemples là, qui me viennent en tête. Vous allez voir, on a une solution pour la butte à glisser.
Vous allez voir aussi qu'il existe des buts à glisser de plus haute ampleur ailleurs dans d'autres parcs d'arrondissement. Donc, je vais glisser un petit mot. On a aussi des commentaires et des demandes sur l'amélioration du jeu de bocce. Et le jeu de bocce, tel que vous l'aviez souhaité, on avait cette offre-là ailleurs, pas loin dans le même district électoral. Donc, c'est un peu le genre d'exemple. Puis, comme je vous dis, ce n'est pas parce que vous avez énoncé un commentaire qu'on n'a pas retenu dans le cadre du présent projet. Soyez rassurés que dans la vision d'ensemble de nos quelques 80 parcs que nous avons à l'arrondissement, nous allons nous assurer que si on ne trouve pas la solution que vous auriez souhaitée dans le cadre des travaux du parc Saint-Simon, on l'a quand même dans nos cartons pour vous l'adresser dans un autre secteur qui, on l'espère, soit quand même à proximité de votre résidence. Encore une fois, je vous remercie. Puis ça va nous amener à un peu sortir les grandes familles, j'appellerais ça ici, ou les grandes convergences qui ont été issues des consultations 2019. Donc, vous les avez à l'écran, je les énumère de 1 à 8. Vous nous avez rappelé que les aires de jeu devaient être améliorées. Vous nous avez aussi parlé qu'il devait y avoir des améliorations pour l'aide à détendre, disons, plus une zone de tranquillité. Vous avez fait le même commentaire pour une aire de détente, dite de zone active. Évidemment, vous nous avez parlé du jeu d'eau, puis je pense que c'est très d'actualité. Quand on regarde les journées d'hier et d'aujourd'hui, là, on est pleinement conscient que le jeu d'eau, à cet endroit-là, nécessitait des travaux d'amélioration certains. Vous allez voir, on a une solution à cet effet-là. Vous nous avez parlé également de la potentialité ou la possibilité d'avoir une zone polyvalente avec abri. Donc, vous allez aussi remarquer qu'on a adressé cette solution, cette préoccupation-là de votre part. Également, vous nous avez parlé du terrain de soccer à 7 et vous nous avez aussi parlé, beaucoup de gens nous ont parlé que c'était possible d'avoir une espèce de piste de course auto qu'on pouvait faire de l'entraînement. On va vous proposer quelque chose. En ce qui concerne la butte à glisser, effectivement, il n'y en avait pas dans ce parc-là. Vous avez été nombreux à nous faire part de ça et évidemment, vous nous avez parlé des améliorations à faire au terrain de basketball. Comme j'ai mentionné tantôt, ce n'est pas parce que vos commentaires que vous avez émis ne se retrouvent pas dans cette liste-là que ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas adressés ailleurs ou à proximité. On les a tous gardés et éventuellement, dans le cadre de d'autres projets, nous aurons des solutions. Donc, je vais reprendre maintenant plus de façon illustrée les différentes zones et la démarche qu'on propose faire dans le cadre d'un webinaire ou d'une rétroaction dite virtuelle. On a pensé vous mettre une carte, et là, je vais aller tranquillement pour prendre chacun des zones d'intervention où on propose des améliorations. Donc, je vais tenter avec une petite magie de vous identifier les secteurs où je préconise travailler puis vous les illustrer. Donc, vous avez ici l'énumération des aménagements à venir qui sont illustrés de 1 à 8. Et ça correspond à différents secteurs ou endroits dans le parc où on va préconiser faire des travaux. Donc, le secteur 1A, qui est l'aire de jeu 2-5 ans, je l'entoure ici, vous le voyez. Dans ce secteur-là, on va faire une proposition d'amélioration. Même chose pour le secteur de l'aire de jeu 6-12 ans, à cet endroit-là ici. On va également vous proposer, je vais vous le montrer dans le détail. Ensuite de ça, pour les aires de détente, tantôt je vous en ai parlé, on va intervenir surtout dans l'aire de détente, zone de tranquillité principale, qui est cette section-là ici. Vous allez voir, on a une belle solution à vous proposer. Et ensuite de ça, on va également intervenir dans l'aire de détente dite zone active, la zone 3, à cet endroit-là. Ensuite, évidemment, comme j'ai parlé tantôt, le jeu d'eau, qui va être ici. La zone polyvalente avec abri, qu'on va retrouver dans ce secteur-ci. Ensuite de ça, on va vous parler du terrain de soccer à 7 et de la piste de course. Donc, c'est ce grand secteur-là ici. Toujours intéressant d'avoir dans un parc une zone plus de détente, de grande, où on peut faire différentes activités. La solution pour la butte à glisser, nous l'avons illustrée dans ce secteur-là. Et finalement, la réfection du terrain de basketball va se faire à cet endroit-là. Je ne vous vois pas, là, mais je vous vois déjà, je vous imagine déjà chez vous. Vous me dites, M. Bordelot, il me semble qu'on a parlé du chalet. Qu'est-ce qui arrive avec le chalet? Bon, j'attire votre attention ici. Les équipes de l'arrondissement travaillent déjà sur une solution pour tenir compte de vos préoccupations au niveau du chalet. Soyez rassurés. Dans le cadre des travaux de ce soir, je ne vous présenterai pas la solution. Elle va venir
bientôt. Cependant, je veux vous rassurer que les aménagements qu'on prévoit faire vont tenir compte d'éventuellement des travaux qui vont se faire à l'intérieur de ce chalet-là. Donc, c'était un petit peu le but de mon propos. Donc, sans plus tarder, on va aller dans le détail puis on va vous illustrer les différentes zones où on prévoit d'intervenir. En ce qui concerne la zone 1 que j'ai illustrée tantôt, je ne reviendrai pas en arrière sur chacune des diapositives, mais j'ai pris le temps de l'imager. Donc, vous les connaissez mieux que moi. Là, c'est votre parc. Vous savez exactement où ça se trouve. Donc, on va procéder à des ajouts de nouveaux appareils de jeu dans les aires 2, 5 ans et 6, 12 ans en fonction de l'espace disponible. C'est bien important. L'image que je présente ici, c'est une image d'inspiration. Il ne faut pas prendre pour acquis que ça va être exactement ce qui va se retrouver. Sauf que les images d'inspiration qu'on va vous montrer, ils sont majoritairement, pour ne pas dire totalement, tirés de notre portfolio des différents travaux qu'on a faits dans les parcs au cours des dernières années. Pour ceux qui sont allés au parc Saint-Paul-la-Croix, vous allez reconnaître nos balançoires qui connaissent un franc succès depuis qu'elles ont été installées puis qu'on essaie de reproduire le plus possible. Ce sont des balançoires style toile d'araignée, là, beaucoup populaires. Plusieurs enfants peuvent s'asseoir en même temps dessus. Donc, c'est le genre d'infrastructure qu'on propose ajouter dans la section des aires de jeu. Maintenant, je suis dans l'aire de détente, zone de tranquillité principale. Tantôt, je vous ai pris le temps de l'encercler, là, mais ce qui est important ici, je vais encore faire un petit peu de magie là, pour essayer de rendre certains dynamistes ça s'en vient. Encore le rouge, je pense que c'est le rouge qui est le meilleur contraste en ce qui me concerne. Donc, dans ce secteur-là, nous allons créer un nouveau sentier ici, comme ça. Et de part et d'autre du sentier, on va procéder à des aménagements. D'abord ici, vous allez voir une section, on en a illustré trois. Ce sont on vous propose des balancelles qui vont faire en sorte que vous allez pouvoir vous asseoir dessus, vous balancer tranquillement. Ensuite de ça, on vient bonifier par des offres de mobilier de tables de pique-nique. Vous en avez à cet endroit-là ici. J'en ai une ici qui est avec un espace pour des handicapés. Et si on se rapproche un peu plus de toute la zone intérieure du sentier qu'on va faire, vous allez retrouver de nos fameuses tables à damier. On peut jouer soit aux échecs, aux dames ou quoi que ce soit. Toujours avec un espace, soit pour une chaise additionnelle ou un fauteuil pour handicapés. Et on en a deux. Et on ajoute également un banc un peu de type circulaire avec des dossiers. C'est des images d'inspiration que vous avez ici. Finalement, on complémente le tout avec un banc. Ce qui est important, tantôt, vous allez pouvoir avoir des échanges avec M. Janel, qui est architecte de paysage. Jérôme a quand même pris le soin de bien s'assurer que dans une zone de tranquillité, on voulait de l'ombrage. Donc, vous avez, on voit quand même une canopée intéressante et importante. Donc, ça va être possible pour vous de vous prélasser dans cette zone-là, pas au franc soleil, mais quand même dans une zone assez majoritairement ombragée. Je vais juste enlever mes petits trucs. Bon. Faut-tu que je revienne sur la précédente, les enlever? OK, c'est bon. Désolé. Je suis les conseils de mon. Et voilà. C'est bien. C'est ça. On s'ajuste. Donc, je suis maintenant dans l'aire de détente dite active. L'aire de détente active, tantôt je vous l'ai illustré, là, il y a le petit mini terrain de soccer qui est ici, puis en haut, il y aurait la butte à glisser. Donc, ce qui est proposé ici dans ce secteur-là, c'est une surface minéralisée. Et encore là, vous avez à la droite ici des images d'inspiration. Ce que vous voyez à droite, là, c'est les installations qu'on a faites au cours des dernières années au parc Marcelin Wilson. Donc, essentiellement, je reprends encore ma magie de mes petits dessins. Et voilà, avec un peu de couleur. Donc, ce qu'on retrouve ici, c'est la fameuse table de ping-pong qu'on reconnaît, que vous avez ici à droite. Et vous avez de chaque côté des bancs pour s'asseoir, parce que des fois, on joue en rotation, puis les joueurs se relaient. Donc, c'est ce qu'on met. Très populaire qu'on a mis dans plusieurs parcs. On en a mis à Henri-Julien, à Promenade Parc Stanley. On en a mis à Nicolas Viel. On en met un peu partout. Ce sont nos fameuses chaises longues que vous voyez ici. L'illustration est là. Et ces chaises longues-là, on les a, quand il y a moins de canopées, comme tantôt, on en avait plus, on ajoute des parasols. Donc, si vous allez au parc Nicolas Viel, on a bien tenu des aménagements. C'est un peu le genre de concept qu'on propose.
Donc, dans cette zone d'air de détente dite active, vous allez avoir des aménagements qui vont s'inspirer fortement de ce qu'on a fait dans différents parcs dernièrement. Je vais aller à la prochaine diapositive. Bon, ici, on va prendre un peu plus de temps parce que, comme je vous dis, l'aire de jeu à ce temps-ci, le jeu d'eau est très populaire, mais aussi que je veux bien nous faire comprendre en ce qui concerne votre préoccupation que vous avez énoncée pour le chalet et les solutions que nous avons dans ce secteur-là. Donc, je ramène encore mes petits trucs. Alors, nous y voilà. Donc, quand la limite actuelle du chalet, vous la voyez ici, donc nos collègues qui travaillent présentement à trouver des solutions pour améliorer l'offre de chalet ont déjà prévu possiblement des endroits où il serait possible d'agrandir le chalet existant. Donc, c'était bien important pour M. Janel d'arriver avec une conception qui n'allait pas interférer avec éventuellement des agrandissements dans le secteur. Donc, ce qui a été fait, si on regarde, M. Janel propose un jeu d'eau ici, un petit peu plus décalé par rapport à ce qu'on avait précédemment. On fait un petit ajustement technique, vous ne voyez pas ça, là, c'est la magie du web. Et de chaque côté, aux deux extrémités, vous avez des pavés qu'on va mettre. Pourquoi? Parce que de ce côté-là, ici, le jour où on va vouloir agrandir, ça va être facile de défaire les pavés sans pour autant mettre le jeu d'eau hors fonction. Donc, du côté du chalet, on propose des bancs. Et de l'autre côté, on revient encore une fois avec nos fameuses chaises longues avec parasol pour que les parents puissent avoir une certaine surveillance sur les enfants qui vont jouer dans le jeu d'eau. J'attire votre attention sur les images à droite ici. Ce sont encore là des images d'inspiration tirées d'un parc qu'on a fait récemment et c'est M. Janel qui en est le concepteur-auteur, donc tantôt vous allez pouvoir échanger avec lui. C'est des jeux d'eau qui sont été installés au parc Rimbaud et qui vont être remis en fonction dans les prochains jours, là, c'est incessamment, là, en début juin, là, ces jeux d'eau-là vont être fonctionnels. Donc, c'est un peu la solution qu'on propose dans ce secteur. Voilà. On va changer de diapositive. Et voilà. Maintenant, le point 5 que je veux vous entretenir, c'est la zone polyvalente avec abri. Vous avez ici une image qui illustre ce dont on parle. Cette image-là est quand même révélatrice parce que vous voyez que c'est un abri, mais en dessous, il n'y a rien. Ce qu'on veut qu'il soit fait en dessous, c'est justement vous le laisser à vous pour que dans les animations, dans ce qui sera développé éventuellement, vous allez pouvoir faire du yoga, de la danse en ligne, peu importe, ça va être possible. Donc, on vous propose une surface minéralisée ici avec un abri et la surface va être autour de ça agrandie par du pavé. Ici, on vous a illustré également du mobilier, qui est des tables à pique-nique, une normale et une handicapée. Mais déjà, en discutant avec M. Janel, puis j'imagine que ça va faire partie de vos commentaires que vous allez faire ce soir, probablement que ces tables-là, on va les sortir de l'espace minéralisé pour les mettre un peu plus à l'extérieur pour vraiment vous donner une pleine dimension de l'ensemble de la zone. Et j'attire votre attention sur le fait que, ici, à cet endroit-là, il sera possible dans le futur d'agrandir cette zone-là, dépendamment de la popularité que vous allez lui donner. Donc, c'est notre solution qu'on préconise pour le secteur de zone polyvalente, dite avec abri. Ensuite de ça, terrain de soccer à 7, piste de course, patinoire pour patins libres, etc. Tout le secteur qu'on a présenté en zone 6 tantôt, que je dis c'est intéressant d'avoir une grande zone, bien, dans ce secteur-là, on va préconiser d'avoir à cet endroit-là une aire de jeu pour jouer au soccer à 7. Autour de cette aire de jeu-là, va avoir une piste de course qu'on pense mettre, là, puis ça va être probablement sur poussière de pierre par un souci de ne pas trop minéraliser le parc. Et éventuellement, on va aussi à maintenir l'offre de patins libres hivernales qu'on a. Tantôt, dans les échanges, vous pourrez discuter avec M. Janel quelle forme ça pourrait prendre, ces choses-là. On l'a illustré dans un sens. Est-ce que ça va rester dans ce sens-là? Est-ce que le soccer va être dans l'autre sens? On n'est pas encore finalisé dans nos concepts, mais c'est le genre d'éléments qu'on aimerait échanger avec vous ce soir. La butte à glisser. Alors c'était très intéressant que vous nous avez soulevé ça. C'est quelque chose qu'on a trouvé une solution.
Tantôt, je vous rappelle sur la première diapositive que je vous ai présentée. Je vous ai parlé des dimensions du parc Saint-Simon. Je vous ai parlé aussi que c'était un parc de quartier. Et je vous ai aussi mentionné que nous avions des offres complémentaires pour la butte à glisser, pardon, notamment au parc Onsic et au parc des Hirondelles. Donc, la butte à glisser qu'on propose à cet endroit-là, pour respecter les critères de sécurité de dimension du parc, ça va être une butte à glisser de quelques mètres. Donc, quand on s'initie au sport de glisse, parce que pour plusieurs raisons, ça nous prend une zone de décélération et de remontée pour sécuriser quand les gens vont glisser. Et également, qui dit butte, dit stabilisation de talus, etc. Donc, faut aussi s'assurer que ça rentre dans le cadre du parc, puis pour maintenir toutes les autres activités qu'on vous propose ce soir. Mais soyez sans crainte, on a une solution pour une nouvelle butte à glisser dans ce parc. Et je vais terminer les différentes zones d'intervention par l'amélioration du terrain de basketball. Vous nous avez parlé que le terrain de basketball nécessitait, puis c'est un sport très populaire là, ces dernières années, nécessitait des améliorations, des réaménagements. Donc ça fait partie des travaux que l'on préconise faire. Donc il est prévu qu'on procède à des réfections du terrain de basketball. Je vais terminer ma présentation. Comme je vous dis, je vais être présent avec M. Jandel tantôt pour les échanges d'aller-retour sur le questionnement, en vous rappelant l'échéancier du projet, parce que c'est toujours quelque chose que les citoyens sont très, très contents d'apprendre. Donc, je vous rappelle qu'on s'est vu ici le 24 octobre. Ce soir, on se parle ensemble ici et... Comme ça a été expliqué soit dans le panneau dans le parc, sur le site de l'arrondissement ou sur les dépliants qu'on vous a distribués, ce soir, on prend vos commentaires. On va essayer d'y répondre dans le cadre du webinaire. Mais vous avez aussi une période encore deux semaines pour vous exprimer. Donc, cette période-là, deux semaines, va être terminée. Ça va permettre à M. Jandel de prendre tous les commentaires qui étaient sortis et vraiment de peaufiner l'offre qu'on vient de vous présenter ce soir, de sorte que, et c'est ça qui est le plus important pour vous, c'est que vous allez voir au conseil d'arrondissement à l'automne un octroi de contrat pour des travaux du parc Saint-Simon et ces travaux-là vont débuter dès le dégel du printemps prochain pour se terminer à l'été 2021. Donc moi, ce qui concerne, ça termine ma présentation, je vous dis bonjour, mais sachez que je demeure disponible tantôt pour la période de questions. Ça me fait plaisir de renouer avec vous. Bonne soirée. C'est bien, mais nous voici maintenant rendus à la période de commentaires et de questions. Je vous invite tout de suite à écrire dans la boîte QR, questions et réponses. Nous sommes là pour en discuter. Alors, je remercie aussi ceux et celles qui ont pris le temps d'écrire puis de téléphoner. On avait mis à la disposition un courriel. Donc, j'ai une liste aussi de messages qui nous ont été envoyés. Puis, on va aussi passer à travers quelques commentaires que des citoyens ont partagés avec nous. Vous avez en fait, jusqu'à 35 minutes pour le faire, puis on a le temps. Alors, comment on va fonctionner? C'est ça, moi, je vais lire les commentaires reçus, puis ou ceux que je vais recevoir. Et finalement, pour chaque commentaire lu, à chaque fois, mes collègues des études techniques apporteront des réponses ou des précisions. De toute façon, sachez que vos commentaires ils seront conservés et inclus dans les notes qui seront remises aux professionnels. Alors, je vais vous lire un premier commentaire qui nous vient d'un citoyen, d'un monsieur Langevin, qui aimerait peut-être que soient ajoutées des tables de pique-nique avec parasol. Alors, je vais passer le micro à mon collègue, M. Jandel. Bonsoir. Bon, c'est un commentaire intéressant qu'on va prendre en considération. En fait, sur les plans, le plan d'aménagement, le plan d'ensemble, puis les agrandissements, on voit du mobilier. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va analyser les besoins en mobilier. Et puis, effectivement, il y a d'autres tables que celles qu'on voit illustrées sur le plan qui vont probablement être prévues. Des bancs aussi, peut-être des bancs qui seront remplacés. Et puis, on regardera aussi la question de l'ombrage. Si besoin, on pourra ajouter des parasols.
Merci, Jérôme. Alors, j'ai un commentaire aussi d'un monsieur Liapis qui mentionne que ce serait important là, d'installer une aire de jeu clôturée pour les chiens. Bon, comme M. Bordelot disait, on a entendu les commentaires de tous les gens, puis il y a des éléments que dans le cadre du présent projet du Parc Saint-Simon, on va pouvoir réaliser, et d'autres qui ça ne sera pas possible malheureusement, mais ça va être pris en considération pour peut-être d'autres projets dans un secteur là, à proximité. Pour ce qui est d'un parc à chiens, c'est malheureusement... Oui, on a Mme Thuy qui aimerait ajouter un commentaire à ce sujet. On vous écoute. Oui, bonjour, merci. Alors, sur les parcs à chiens, effectivement, il y a des besoins un peu partout dans l'arrondissement. On a déjà fait des consultations publiques. Il y a un moment déjà de ça, on essayait d'avoir un parc à chiens minimalement dans chaque district. Il faut savoir qu'il y a des normes à respecter parce qu'il y a des gens qui veulent avoir un parc à chiens, d'autres qui n'en veulent pas. Il faut que ça respecte des distances par rapport aux résidences pour pas que ça soit trop près des résidences, pour pas que ça cause trop de nuisances sonores. Donc, honnêtement, quand on a fait les consultations sur le parc Saint-Simon, ce n'est pas du tout une demande qu'on a entendue fortement. Et le parc, il est très grand, mais il est en même temps petit aussi. Donc, comme M. Bordelot le disait tout à l'heure, on a à peu près 80 parcs dans l'arrondissement. Donc, au parc Saint-Simon, ce n'est pas un endroit où nous allons installer une aire d'exercice canine, là, qu'on appelle un parc à chiens, parce que on a reçu tous vos commentaires et toutes vos demandes, puis on essaie de répondre à toutes les demandes. Et donc, c'est d'autres aspects qui ont été priorisés, ceux que vous avez vus tout à l'heure. Merci. Merci, Mme Thuyer. Ensuite, j'aimerais lire encore un autre commentaire de M. Tiatia, qui, lui, souhaiterait savoir si c'est possible de mettre un terrain de hockey dans le parc. Il y a beaucoup de jeunes et d'adultes qui aimeraient ça, puis ça serait pour toute l'année, comme au parc Jarry. Le patin, c'est déjà une activité qui est au parc Saint-Simon. Et puis, on nous a signifié une volonté d'avoir aussi, de pouvoir pratiquer le hockey. Ça nous a amené à faire des validations sur le plan technique, à savoir est-ce que ce serait possible d'intégrer une patinoire là, avec des bandes pour jouer au hockey. Et puis, effectivement, nos vérifications nous confirme que ça serait possible, on aurait l'espace pour ce genre d'équipement-là. Par contre, si on parle d'une patinoire quatre saisons, comme celle qu'on a au parc Jarry, ça, c'est un genre d'équipement qui demande quand même des infrastructures qui sont quand même importantes. Donc, étant donné que, comme on disait, on a pris en considération les points qu'on jugeait principaux pour réaliser pour le présent projet. Donc, malheureusement, ça ne sera pas possible de faire quelque chose comme au parc Jarry, mais par contre, pour les activités en hiver, pour le jouer au hockey en hiver, ça serait possible. Je vais passer une question de M. Van der Heyden qui va comme suit. Est-ce que la petite butte dans les jeux 6-12 ans va demeurer? On va bien sûr analyser l'aménagement puis voir si on la conserve. Mais je dirais que pour l'activité de glisse, ce qui est privilégié, c'est la butte à glisser là, qu'on prévoit ajouter, donc qui va être vraiment dédiée à l'activité de glisse. J'ai une question d'un monsieur Latreille aussi ce soir. Quelle est votre solution pour le terrain de pétanque? Il ne semble rester que le terrain privé.
En fait, le terrain de pétanque, c'est l'endroit que, là, où ce qu'on va aménager la nouvelle zone polyvalente. C'est ce qui avait, ce qui était ressorti là, de la consultation d'octobre dernier, à l'effet que, bon, il y a le terrain de bocce qui est très utilisé, mais le terrain de pétanque, il était moins, donc il fallait intégrer la zone polyvalente. Donc, c'est l'endroit qui était intéressant pour ça. J'ai aussi Abdel qui nous demande si c'est possible d'ajouter des équipements d'exercice. J'ai aussi Abdel qui nous demande si c'est possible d'ajouter des équipements d'exercice physique. Pour ce qui est de l'activité physique, on a privilégié une piste qui permet pour la course. Donc, comme on disait, en pousseur de pierre. Donc, cet aménagement-là, on le voulait le plus polyvalent possible, dans le sens que, bon, c'est une piste de course, oui, ça peut être pour la marche. En même temps, il va pouvoir servir de sentier pour transiter dans le parc. Pour ce qui est des équipements en tant que tels, comme qu'on a dans d'autres parcs, c'est que, comme par exemple au parc Hunsic, au parc Anjulien, au parc de Beau-Séjour, on a des aires dédiées pour d'exercice avec des équipements, des modules pour l'exercice. C'est des aménagements qui sont assez coûteux. Donc, compte tenu de tous les aménagements, les différentes composantes qu'on nous a demandées, donc malheureusement, il ne serait pas possible d'avoir quelque chose de cet ordre-là. Donc, c'est vraiment plus par la piste de course là, et le terrain de soccer là, qu'est-ce qui est de la pratique d'activité physique. Alors, nous avons une question anonyme. Si le chalet change de vocation, il se pourrait qu'il soit nécessaire de l'agrandir. Comment évaluez-vous l'utilisation du chalet? Bonjour. Comme j'ai mentionné tantôt, on a nos équipes de collègues qui travaillent présentement, qui font exactement le même travail qu'on a fait, nous, pour vous présenter des solutions dans le cadre des aménagements qu'on vous a présentés ce soir. Donc, nos collègues ont recueilli vos commentaires, d'une part, lors des consultations des plans directeurs et aussi lors de la consultation du 24 octobre dernier. Donc, il n'y a pas d'affirmation ce soir qu'il y a un changement de vocation ou pas. Ce que j'ai mentionné tantôt, c'est que on est en train justement de tout regarder les commentaires que vous avez émis et on est en train de voir quelle est la solution qui va être capable de permettre d'adresser les besoins à l'égard du chalet. Donc, la question quand elle était posée, elle mentionnait si le chalet change de vocation. Je n'ai pas énoncé ça comme ça. Ce que je fais juste vous dire, je vous rassure que la démarche qu'on vous présente ce soir pour l'ensemble des aménagements du parc, nos collègues au niveau du chalet, ils font exactement la même réflexion présentement, puis en temps et lieu, et on va vous revenir sur une solution qui va probablement satisfaire la plupart des besoins énoncés pour ce bâtiment dans ce parc. Madame Thuillier, vous voulez répondre? Non. Pardon, Monsieur Parizeau. Merci. Je voulais juste rajouter là, sur la question du chalet que depuis qu'on a été élus, autant Madame Thuillier et moi, on a été extrêmement. Il y a beaucoup de gens qui ont communiqué avec nous pour nous parler des besoins qui sont liés au chalet, puis des besoins plus larges qui sont liés aux équipements communautaires dans la section de Saint-Simon. Donc, plus large que le parc. Donc, on est bien conscient de tout ça, puis on va travailler avec les services de l'arrondissement pour trouver une solution qui va pouvoir répondre aux besoins. Mais certainement, on ne pourra pas répondre à l'ensemble des besoins parce que la section Saint-Simon a été construite sans équipement communautaire, donc, et est un petit peu enclavée en lien avec les autres sections du district. Mais je vous invite aussi à aller voir, il y a la Maison du Monde, pas très loin. Donc, je voulais juste vous signifier que autant Mme Thuillier que moi, on est très conscient des besoins qui sont liés au chalet, mais plus largement aux équipements communautaires. Voilà. Merci.
J'invite encore les gens à partager les questions. On a le temps de revoir avec vous les commentaires et les questions. J'ai aussi ici Yann qui demande s'il y aura un terrain de bocce. En fait, il y a déjà un terrain de bocce et puis il n'y a pas de changement au niveau du terrain de bocce. Le seul changement qu'on va s'adresser, c'est au niveau de l'éclairage. Il y a possiblement des améliorations à faire, mais sinon, il n'y a pas de changement de prévu. Julien demande, durant quelle période le parc sera-t-il inaccessible? Sera-t-il possible d'envisager une planification? Oups! Sera-t-il possible d'envisager une planification des travaux par phase afin de permettre d'accéder à certaines zones? Je peux répondre, Jérôme, si il y a quelque chose, tu pourrais compléter. Tantôt, quand je vous ai présenté l'échéancier, il faut savoir que quand on lance un appel d'offres comme ça, nous, il faut qu'on commence les travaux quand la neige a fondu, que le terrain est plus brouillé, puis vous voyez qu'on intervient à peu près partout. Bien évidemment, ce qu'on veut faire, c'est quand on travaille dans un parc, on essaie autant que faire se peut de délimiter les zones et de vous en laisser le plus possible. Mais c'est sûr que quand il y a une activité de... Si je coule une dalle de béton comme dans le jeu d'eau ou dans la zone polyvalente avec abri, bien, il faut comprendre que quand je vais faire l'activité qu'on coule le béton, je ne peux pas faire une phase de venir couler un béton au mois de mai et puis une autre phase. Il faut que je regroupe ce genre d'activité-là. Ce que j'entends aujourd'hui de vous, c'est que j'entends, on aimerait ça quand même de pouvoir bénéficier le plus possible des espaces résiduels, mais on fait ça dans tous nos parcs. Si vous allez à Nicole-Leviel, si vous allez à Rimbaud, si vous allez à tous les parcs qu'on a faits, on essaie autant que faire se peut de ceinturer le plus possible la zone des travaux. Mais il faut vraiment qu'on laisse les entrepreneurs travailler parce que, vous savez, ça comporte plusieurs étapes. Là. Quand on est dans une section comme un jeu d'enfant, bien, à ce moment-là, il faut venir excaver, il faut venir couler des sonotubes, il faut venir couler du béton, il faut qu'il y ait un mûrissement. Après ça, on met certains ancrages. Là, il y a des modules viennent s'installer. Donc, on vient rejouer à plusieurs occasions. Puis, on ne peut pas laisser les jeunes aller jouer autour de nos tubes de béton qui sont sortis, que ça ne soit pas sécuritaire. Donc, l'enjeu sécurité pour nous est très important, mais autant que faire se peut, c'est notre façon de faire. On minimise les impacts qu'on a, mais sachez que pour l'année prochaine, si vous voulez avoir un beau parc, comme je vous mentionne, l'échéancier, là, je vous ai parlé, là, on commence au dégel, puis avant l'automne, là, vous allez pouvoir avoir votre parc, mais il faut qu'on ait le temps de bien faire nos travaux. Donc, vous voyez les zones qu'on intervient. Je pense qu'il va rester quand même les zones 6 et 7 assez accessibles pour pouvoir aller dans ces secteurs-là, autres que les peu de temps qu'on va venir intervenir. Mais dans les zones où j'ai un jeu d'eau, dans les zones où j'ai des aires de jeu, les aires de détente, etc., malheureusement, on va ceinturer ces zones-là pour les travaux. Mais comme vous voyez, les périmètres sont quand même petits. On va vous en laisser le plus possible. Monsieur Parizeau, vous pouvez prendre le micro. Pardon, j'ai juste pas baissé ma main. Donc, est-ce que c'est possible de préciser pour le terrain de bocce au niveau de l'accès, là, si ça va changer? Il semblerait qu'il y avait aussi un problème d'accès. Bien, on va valider. Là, on en a pris note, puis on va faire les validations, voir qu'est-ce que. J'aimerais rajouter la personne qui pose cette question-là. Aidez-nous à vous aider en ce sens que quand vous dites qu'il y a un problème d'accès, pouvez-vous juste nous repréciser en disant c'est la clôture, c'est la barrière n'est pas du bon côté ou je ne sais pas. Juste nous préciser pour vous quand vous dites c'est quoi la difficulté d'accès au terrain de bocce. Ça fait que peut-être juste nous faire un commentaire, on ne répondra pas séance tenante, mais on aura une précision sur votre question, s'il vous plaît. Merci. Alors, j'ai Evelyne qui demande s'il va y avoir des stationnements de vélos de prévus. Comme je mentionnais auparavant, on va effectivement regarder pour ce qui est la question du mobilier et aussi des supports à vélo, ça va être regardé
à quels endroits qu'on pourrait les intégrer, que ce serait le mieux. Mais oui, effectivement, ça fait partie du type de mobilier qu'on va prévoir. Evelyne demande aussi, est-ce que la zone polyvalente pourrait accueillir un marché alimentaire temporaire, par exemple, une fois par semaine? On prend note de vos suggestions, mais on doit le valider, là, donc on en prend bonne note. Alors, il semblerait qu'avec le botché, le problème... Ah, j'ai M. Parizeau qui voudrait prendre la parole. Allez-y. Oui, merci. Sur le marché alimentaire, merci beaucoup pour ce commentaire-là. Vous le savez, on implante un marché alimentaire temporaire au métro Sauvé à chaque année depuis plusieurs années. Puis maintenant, on va faire 10 sessions autour dans le district d'Onsic. Donc, on pourra voir, là, j'en prends bonne note comme élu pour porter votre voix, pour voir comment est-ce qu'on peut, comment est-ce qu'on pourrait avoir accès, peut-être faire une phase d'exploration, faire venir peut-être le marché une fois dans le district. Je ne sais pas si c'est possible de le mettre à cet endroit-là, mais peut-être qu'on pourrait le mettre à un autre endroit. Mais pour l'année prochaine, ça pourrait être quelque chose d'intéressant pour cette section du district. Merci. Pardon, mon micro était éteint. J'ai un commentaire d'un participant qui précise que le problème avec le terrain de botché, c'est qu'il est toujours cadenassé par les utilisateurs du chalet. Je cherche en fait si j'ai d'autres questions. On a parlé. Alors, M. Parizeau voudrait... Allez-y, M. Parizeau, je vous laisse la parole. Je vais y aller sur la question du terrain de botché. On prend bonne note de votre commentaire. C'est certain que c'est les gens qui jouent au botché en ce moment utilisent ce terrain-là quotidiennement. On va voir comment est-ce qu'on pourrait avoir une ouverture plus importante vers la communauté. Je vais en discuter avec les gens des sports, loisirs, développement social qui sont responsables de l'animation du parc. Donc, ça sera à moi de faire ce suivi-là, là, parce que je comprends que M. Bordelot ne pouvait pas vous répondre sur la planification, sur l'utilisation du terrain de botché. C'est ce que je souhaitais vous répondre. Merci. Alors, j'ai un Mathieu qui nous demandait par courriel à savoir si la patinoire va être maintenue l'hiver. Mais comme on mentionnait précédemment, on a validé la possibilité de patinoire. Là. Donc, il y avait déjà une patinoire, donc c'est dans nos intentions de maintenir un élément de patin dans le parc. J'ai aussi Mme Cardin qui m'avait écrit « Pourrions-nous penser à rajouter un peu de verdure dans le parc, dans le coin de la butte ou le long du sentier? » Oui, tout à fait. On voit certains arbres qui ont été, certaines zones de plantation sur le plan d'ensemble puis sur les agrandissements qu'on vous a montrés. Ce qu'il faut mentionner, c'est que c'est simple, disons que ça, c'était pour souligner l'aspect de végétation dans ces nouveaux aménagements-là. Mais la question d'ajouter des arbres, ça va être prochainement étudié plus à fond. Donc, c'est sûr que on cherche à bonifier la canopée autant que possible. Et puis, j'ai M. Van der Heyden qui avait écrit « Quel impact auront les travaux sur l'accès au parc et ce pour combien de temps? » Comme je l'ai mentionné tantôt, à ce stade-ci, là, c'est un peu prématuré de toutes vos données, ce détail-là, mais je prends à délibérer votre commentaire, M. Van der Heyden, et on va vous revenir en temps. Quand on va faire, d'habitude, normalement, quand on fait une annonce, qu'on débute les travaux, là, on va être plus précis sur les travaux. Mais comme je vous dis, à ce moment-ci, là, on recueille des commentaires, on définit la portée des travaux, puis là, on va être capable de vraiment voir par secteur, puis on va être capable de diminuer l'impact des travaux dans ce parc pour les citoyens, mais c'est prématuré à ce stade-ci de nous demander de nous commettre sur nous sur un échéancier exact. Comme je vous ai dit, on va débuter les travaux au printemps prochain, on va les finir à l'été, mais à ce moment-ci, c'est un peu prématuré pour vous fournir cette information-là. Cependant, je garde
Je garde votre question, M. Van der Heyden, et on va, en temps et lieu, on aura la réponse pour vous. Merci. Alors, j'invite encore les participants à indiquer leurs questions dans la boîte de questions et réponses. J'en profite pour lire celle de M. Van der Heyden qui a ajouté « Est-ce que les jeux d'eau à venir tiendront sur une plus grande surface? » Oui, effectivement, la surface telle qu'on la voit illustrée sur le plan est plus grande. On l'a optimisé là, avec l'espace disponible. Et puis, on va aussi évaluer les équipements qu'on va y installer. Bien sûr, il y a la question de débit d'eau, là, il y a certaines limites à respecter, mais sinon, on va tenter d'optimiser le jeu d'eau pour avoir quelque chose de vraiment intéressant. J'avais reçu un courriel de Mme Vincenzo qui demandait où et combien de panneaux solaires seront installés pour brancher et charger nos appareils pour des activités telles que la danse et le spectacle. Une analyse là, des possibilités en termes autant d'éclairage que d'équipement va être faite, mais comme on a déjà mentionné, il y a beaucoup d'équipements déjà qui sont prévus et puis c'est pour lesquels là, ça occupe une bonne partie de notre budget. Donc, ça, toutes ces possibilités-là vont être regardées, puis on va prendre les décisions en fonction là, de ce qu'on pourra faire là, selon ce qui est prévu, là, puis qu'est-ce que est disponible comme budget. Madame Vincenzo demande aussi, planifiez-vous de planter des arbres à l'extérieur et à l'intérieur du parc, car le parc Saint-Simon est un îlot de chaleur. En fait, Saint-Simon, le quartier, excusez-moi. Comme je le mentionnais tout à l'heure, effectivement, l'étude là, de plantation, il va y avoir un plan de plantation d'établir un concept de plantation. On va avoir le support de nos collègues en horticulture pour nous recommander, là, nous faire des recommandations. Donc, c'est un travail là, qui s'en vient, là, qu'on va préciser ça là, prochainement. Donc, effectivement, c'est prévu. Alors, nous avons Brigitte qui demande, est-ce que la zone de jeu d'eau sera clôturée? La zone de jeu d'eau, elle est actuellement délimitée par un muret et une petite clôture métallique. J'aimerais avoir le jeu d'eau, l'agrandissement, s'il vous plaît. Donc, je vais essayer moi aussi de faire un peu de magie. Donc, on voit ici ce que je dessine en rouge, c'est un muret avec une petite clôture métallique, un peu comme qu'on voit au parc Rimbaud, là, c'est le même principe. En fait, c'est un jeu d'eau qui avait été fait dans une ancienne pataugeoire, donc ça serait maintenu. Par contre, il y a certains secteurs qui seraient ouverts là, simplement pour faire, excusez-moi, en pointillé et devant le chalet. Pour permettre l'accès là, à l'air de détente. Mais oui, effectivement, ça serait. Idéalement, on maintiendrait à l'intérieur là, de cette enceinte-là, tant que possible. J'ai une question d'Abdel. Que prévoyez-vous comme mesure d'apaisement de la circulation autour du parc? Alors, bonjour, M. Abdel. J'ai une très bonne nouvelle pour vous. La Ville de Montréal a lancé un vaste programme de sécurisation aux abords des écoles qui est sur 3 ans. Et on avait à l'arrondissement identifié environ 9 écoles qu'on a soumises à certaines écoles dans la première année. Et le parc, les deux écoles, l'école Saint-Simon et John Caboteau, sont dans de très hautes priorités pour les phases qui s'en viennent. On a déjà eu une confirmation parce qu'on adresse aussi la sécurisation aux abords des écoles. Et les périmètres, là, je vais vous les illustrer. Vous allez voir, là, quand on parle d'un dossier, je vais juste aller là, bougez pas. Quand on parle d'un secteur, là, pour ces deux écoles-là ici,
tout le secteur qui est considéré, c'est ce secteur-là ici. Donc, la réflexion qu'on va faire va pouvoir toucher l'ensemble du quadrilatère. Fait que cette année, on a déjà certaines écoles qu'on a adressées. Puis, un des éléments que ce soir n'a pas été mentionné, mais on est conscient, c'est que vous avez déjà adressé dans la consultation d'automne une problématique à régler à cet endroit-là ici. On va se l'adresser. Ensuite de ça, il y aura des saillies autour. Il y en a déjà qui ont été installées, mais on va venir compléter. On va probablement mettre des dos d'âne, mais soyez assurés qu'on a une très bonne idée de la sécurisation aux abords des écoles. Et c'est grâce à ces programmes-là qu'on va pouvoir, en quelque sorte, aussi adresser des solutions de mesures d'apaisement pour la circulation dans ce secteur. Donc, soyez patients. Probablement qu'aussi, au même temps qu'il y aura des travaux dans le parc, l'année prochaine, on devrait également faire des travaux d'apaisement de circulation dans le secteur. Oui, alors, j'aurais une question de M. Van der Heijden. Quelle est la hauteur prévue de la butte à glisser? Mais comme M. Bordelot le mentionnait, c'est pas de l'ordre là, de ce qu'on peut avoir au parc Hunsic ou au parc des Hirondelles, donc c'est plus modeste. Je dirais, ça va être évalué, je dirais un minimum de 2 mètres de hauteur. Mais en faisant les plans de devis, on va préciser, là, mais donc c'est ça, c'est plus modeste, là, mais ça va être quand même, on va s'assurer que ce soit intéressant pour la glisse là, à la hauteur qu'on va le faire. Alors, j'ai une question anonyme. Est-ce qu'il serait possible d'avoir une scène pour des spectacles? Malheureusement, la zone polyvalente, en fait, pourrait servir un peu à cet effet-là, mais faire une scène en tant que telle, c'est à notre avis, là, c'est peut-être pas ce qui est souhaitable parce que la zone polyvalente, étant donné qu'elle est de plein pied aussi, est accessible universellement, donc ça permet ça laisse une versatilité pour planifier plusieurs événements là, dans cette zone-là. Monsieur Van der Heijden avait demandé aussi, est-ce qu'il y aura davantage de poubelles? Aussi, est-ce que la salubrité des salles de bain sera améliorée? Effectivement, encore une fois, ça revient au mobilier. Le mobilier va être analysé, autant les poubelles aussi, là. Donc, effectivement, on va s'assurer d'avoir les poubelles qu'il faut. La salle de bain, ça avait été mentionné déjà en consultation publique. On avait pris bonne note, puis on a transmis l'information aux gens là, qui s'occupent de l'entretien. Là. Donc, ça a été transmis comme information. Alors, j'invite encore les gens à poser des questions ou passer des commentaires. Sinon, on va passer à l'étape suivante. Là. Enfin, on va. Bon, il semblerait que pour ce soir, on ait fait le tour. Alors, mon collègue me fait signe que c'est bon. On va passer à la diapositive de vos commentaires. Alors, dans le fond, vous avez jusqu'au 11 juin pour nous acheminer d'autres commentaires. Et voilà. En fait, vous avez jusqu'au 11 juin pour nous acheminer d'autres commentaires et vous pouvez le faire à partir du site de l'arrondissement. Donc, vous voyez l'adresse à l'écran. Par courriel, même chose, le courriel est indiqué dans la boîte vocale du numéro de téléphone que vous avez là et par la poste, mais en précisant bien que c'est aux soins du service des études techniques. Voilà, et jusqu'au 11 juin, et tout ça va être mis dans un consigné regroupé par thème pour être inclus là, dans une sorte de rapport. Bref, nous sommes maintenant déjà rendus au mot de clôture. Alors, je vais céder la parole à M. Adrien Parizeau.
Merci beaucoup. Merci beaucoup aux employés de l'arrondissement là, qui ont rendu possible ce webinaire. Je pense que c'est une façon innovante de pouvoir faire une rétroaction aux citoyens du district qui se sont mobilisés, puis on le voit encore ce soir, qui sont très mobilisés pour leur parc de quartier. Le parc qui est en plein cœur de Saint-Simon. Donc, on comprend pourquoi vous êtes autant attaché à ce parc. Comme M. Bordelot le disait, là, je tiens à le rappeler, certainement qu'on a reçu beaucoup de commentaires. Il y a encore beaucoup de commentaires qui vont venir, mais il ne faut pas oublier que le parc, on ne veut pas le surcharger non plus. Donc, il y a beaucoup des idées qui ont été mises de l'avant. Tout à l'heure, j'entendais la question du parc à chiens. On regarde, est-ce que c'est possible peut-être d'en mettre un au parc Henri-Julien, donc pas très loin de chez vous, de l'autre côté de Saint-Laurent, mais minimalement d'en avoir un dans le district. Donc, il y a des commentaires qu'on a pris, qu'on va voir comment est-ce qu'on peut les intégrer dans d'autres parcs du district. Donc, ça me fait... Je suis bien content d'avoir vu aussi la participation. Je pense que malgré la COVID, on voit que, comme je le disais, les gens croient à leur parc et croient à l'embellissement de ce parc-là parce qu'on le voit en ce moment particulièrement, les gens qui n'ont pas accès à des cours veulent pouvoir profiter de parcs de qualité. Puis je me souviens, moi, quand on était en campagne électorale, pas mal de monde me disait à quel point il aimerait une mise aux normes du parc Saint-Simon. Donc, je suis bien content qu'on puisse aller de l'avant. Puis là, aujourd'hui, c'est une étape de plus qui est franchie par cette rétroaction. Comme on le disait il y a quelques instants, vous avez jusqu'au 11 juin. Donc, je tenais à le rappeler pour nous acheminer vos commentaires, autant à l'arrondissement, mais vous pouvez communiquer, je suis certain, avec la mairesse de l'arrondissement, Mme Tullier, ou avec moi directement pour qu'on puisse discuter de comment est-ce qu'on pourrait intégrer vos commentaires, puis on pourra les acheminer au service de l'arrondissement. Donc, sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de soirée et merci beaucoup pour votre participation. Alors, merci tout le monde. C'est le mot de la fin. Vous pourrez voir le webinaire. Il sera mis dans les prochains jours là, à disposition sur le site Internet de l'arrondissement. Merci d'avoir été là.